Encore toi? C'est pas ton jour. Kenzo, quel bail! Se lever à 6h du matin. Pour moi, là, vous voyez ça, c'est pas possible. 6h du matin, je l'ai enlevé depuis longtemps, ce réveil. Ça me rappelle les cours, même. Surtout pas avant 8-9h. Là, ça commence à être cool. Je mets mon petit son, une bol de céréales, je suis dans le truc. Si je me lève à 6h du matin, c'est pour voir un lever de soleil, c'est pour faire du sport. Non, je rigole. Ou pour travailler sur un projet personnel, un business que j'ai développé, quelque chose qui vraiment m'attache. C'est parce que je l'ai choisi, c'est parce que je l'ai décidé. Et je pense que malheureusement pas tout le monde peut se permettre ça. Ça veut pas dire que c'est bien, hein, attention. Se lever à 6h c'est très bien pour le corps, pour la santé, pas pour moi. Donc je ne critique pas les gens qui se lèvent à 6h du matin, ne confondez pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains business qui permettent de travailler à l'heure que tu souhaites. Et d'autres pas. Et le business en ligne, c'est l'avantage de choisir tes horaires. Ça veut pas dire que tu vas travailler moins, j'ai jamais dit ça. Mais je choisis quand je travaille, je choisis où je travaille. Et ça, ça n'a pas de prix. Je travaille sur ça à 8h, je fais une pause. Finalement, à midi, je vais faire ça. Et finalement, j'ai fini mon sport à 23h. Mais après, je rentre chez moi à minuit. Et à minuit, je commence à travailler sur ça pour le lendemain, pouvoir me coucher peut-être plus tard. Parce que moi, j'adore travailler de nuit. J'ai beaucoup plus d'inspiration à 2h, 3h du matin pour trouver les solutions, débloquer des trucs. Donc ça, c'est personnel. C'est mon choix. Ouh, le soleil, damn. Je suis blanc, là. J'ai déjà une caméra, vous croyez quoi, mais... avec les films. J'ai fait des clips, moi, attention. Très important, faites des notes régulièrement. Dès que vous avez une idée, dès que vous avez quelque chose qui passe par la tête, mettez-le en notes, ça ne se reviendra plus dans votre esprit sinon. L'avantage du e-commerce, de la vente en ligne, c'est qu'on n'est pas, contrairement à une vraie boutique physique, un magasin, on est ouvert quand on veut, on peut vendre à n'importe quelle heure et on peut travailler sur notre boutique à n'importe quelle heure. C'est vraiment incroyable quand, par exemple, je programme des pubs pour un certain produit, je suis à 3h du matin sur mon ordi en train de programmer des pubs qui seront lancées le lendemain. Le lendemain, je peux être tranquille, faire mon sport, je sais que, entre guillemets, mes produits se vendent et j'ai de la visibilité sur mes produits, on continue. Tandis qu'une boutique, bah lundi, entre guillemets, c'est mort. Il n'y a pas de clients. Lundi matin, tu ouvres la boutique, mais tu sais qu'il n'y a personne. Donc, tu dois te lever, respecter des horaires d'ouverture de boutique et tout. C'est compliqué. Et tu payes un loyer aussi. Pour moi, le plus important, c'est pas une question de se lever à 6h. Pas se lever à 6h, c'est de choisir l'horaire de ton travail, de pouvoir organiser ta journée, ton travail comme tu le souhaites. De pas avoir de contraintes d'horaire. Sauf si c'est toi-même qui te les impose et qui te les implique. C'est pas une question d'argent. C'est gagné déjà, c'est une question de choix de vie. Je passe le bonjour à tous les médecins, les infirmiers, les infirmières qui se lèvent très tôt pour sauver des vies, aider des gens. Là, c'est très différent, un grand respect à eux, ça c'est vraiment quelque chose. Et un grand big up à mon boulanger qui se lève très tôt pour me faire des petits pains. Merci.